La pensée de ce matin, c'est ce que Dieu voulait nous dire la dernière fois et qui continue à nous dire aujourd'hui. Alléluia! Amen! La prière de la foi est efficace. Amen. 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 Selon Jacques 5, 15. C'est sous mes yeux. Je peux lire. Merci. Et mon lecteur, tu te prépares également. Alléluia. Amen. Jacques 5, 15. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Chez moi, c'est une grande efficacité. Alléluia. Amen. Église, nous devons mélanger nos prières avec la foi. Mais c'est ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Nous devons mélanger nos prières à de la foi. Voilà pourquoi Jacques 5, 15 nous dit la prière de la foi. La prière de la foi. Ce n'est pas parce que l'on prie que l'on a forcément la foi. La prière peut devenir une habitude. La prière peut devenir quelque chose que nous savons faire. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous interpelle, le Seigneur nous demande de mettre la foi lorsque nous prions. Mettre la foi. Souvent il arrive que l'Église prie, souvent il arrive même que nous prions individuellement. Mais nous oublions cette attitude-là. Mais j'aimerais vous dire ce matin, Église, que c'est à cette attitude-là que Dieu regarde. Amen. C'est à cette attitude-là que Dieu regarde. C'est cette attitude-là qui lui est agréable. Amen. La foi dans nos prières. La foi dans nos prières. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans Actes 12. Actes 12. Versets 1 à 2. À 3. 4. Lise, s'il te plaît. Actes 12. Chapitre 1, verset. Vers le même temps. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons que Pierre est arrêté. Nous voyons d'abord que Jacques a été tué. L'un des apôtres a été tué parce que c'était les temps de persécution. Alors il a été tué. Et on voulait également tuer l'apôtre Pierre. Alors Hérode le mit en prison. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est en prison, lorsqu'il est mis en prison, qu'est-ce que l'Église fait? La Bible nous dit au verset 5. Et
bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Lorsqu'on est dans des situations difficiles, nous devons prier. Lorsque les leaders, alléluia, amen, vos responsables, vos pasteurs ou l'église, nous sommes dans des moments difficiles, nous devons prier. Amen. Nous devons prier comme nous le faisons si bien. Nous devons prier. Alléluia. Amen. Je vais un peu continuer. Nous sommes toujours sur le même chapitre. Le verset 7. Laisse-moi lire, je vais lire. Et voici. Le verset 6 même d'abord. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Amen. Le verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, que cela était réel, et s'imaginant avoir une vision. Alléluia. Amen. Le verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif a appris. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 12. Vous me suivez? Amen. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, qui, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Amen. Merci. Je ne suis pas la seule à le voir. Amen. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Répondez s'il vous plaît. Pierre. Elle reconnut la voix de Pierre. Alléluia. Amen. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Alléluia. Amen. Le verset 15. Il lui dit, tu es folle. Alléluia. Amen. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que les choses étaient ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Amen. Pourquoi ils sont étonnés? Pourquoi ils attirent de folle? Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Amen. Il ne devait pas être étonné. Amen. Il ne devait pas la traiter de folle. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de faire quoi? Prier. Pour qui? Pour qu'ils fassent quoi? Alléluia. La foi est là. C'est ce qui nous arrive souvent. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous arrive, bien-aimé. Nous prions, nous prions. Dieu était en mouvement, en train d'agir, et que ce serviteur-là
Voilà pourquoi je parle de la prière de la foi. Voilà pourquoi je parle de la prière de la foi. Amen. Nous devons croire, bien aimé. Nous devons croire en nos prières. Nous devons croire en ce que nous demandons à notre Dieu. Amen. Nous devons croire. Que ce soit dans l'église, que ce soit de manière personnelle, individuelle, le Seigneur veut que tu crois. Il veut que tu crois. Amen. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne connais pas l'objet de tes prières, mais il veut que je crois. Il veut que tu crois. Amen. Il veut que je crois. Il veut que je crois. Il ne veut pas seulement que je prie, je prie, je prie, je prie. Alléluia. Amen. La foi. La foi doit être mélangée à ta prière. Amen. La foi doit être mélangée, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ils ont été exaucés. Comme nous sommes parfois souvent exaucés. Même lorsque nous n'avons pas de foi, nous prions. Nous sommes exaucés. Alléluia. Amen. Mais Dieu suscite des temps où il veut maintenant t'amener à une autre dimension. Amen. À un autre où tu dois croire. Amen. C'est pas parce qu'ils ont été exaucés même s'ils n'avaient pas la foi. Amen. Ils ont été exaucés. Même s'ils priaient pour prier, ils ont été exaucés. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière parfois ne dépend pas. L'exaucement parfois ne dépend pas de notre foi. Amen. L'exaucement dépend parfois de l'amour que Dieu a pour nous. Amen. De la bonté que Dieu veut nous manifester. Amen. Mais il veut t'apprendre ce matin que tu dois toujours lui faire confiance. Amen. Que nous devons lui faire confiance. Alléluia. Amen. Marc 11, 24. Nous pouvons également le lire. Marc 11, 24. C'est Jésus qui l'a déclaré. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Tout ce que nous demanderons en priant, croyons que nous l'avons reçu. Et là, le Seigneur Jésus, je crois, s'adresse à ses disciples. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'il avait ordonné s'est accompli. Et Pierre lui fait la remarque en disant que, mais Seigneur, ce que le Dieu, l'herbe que tu as maudit a réellement séché. Amen. Jésus avait confiance en son Dieu. Amen. Jésus avait foi en son Dieu. Alléluia. Amen. Parce que sur la terre, il était homme. Il était homme comme toi et moi. Alléluia. Amen. Il était homme. S'il ressentait également la fatigue. Dans la barque, Jésus faisait quoi? Il ne dormait pas. Parce qu'il était comment? Fatigué. Alléluia. Amen. Donc quand nous prions, croyons, ayons foi que l'exaucement est en route. Amen. L'exaucement est en route, même si ça tarde. C'est le temps. Alléluia. Amen. Le temps. Le temps nous fait oublier que Dieu a déjà entendu. Amen. Le temps nous fait oublier que nous avons demandé quelque chose à Dieu. Amen. Le temps, l'épreuve du temps. Le temps nous joue des tours. Mais nous devons refuser cela. Amen. Même si ça tarde, toi. Amen. Alléluia. Amen. Même si ça tarde, je dois croire. Amen. Je dois croire, bien-aimé. Si je sais que je marche, comment dirais-je, je me sanctifie, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. On nous l'a enseigné. L'homme de Dieu a insisté sur ça. Alléluia. Amen.
si je sais que je me purifie, si je sais que je m'éloigne du péché, je dois attendre ce que j'ai demandé au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as demandé au Seigneur. Est-ce que c'est le travail? Alléluia. Amen. Il te donnera le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il te donnera ce travail. Je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur. Est-ce un mari? Pas n'importe quel mari. Il te donnera un bon mari. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a mari et mari. Alléluia. Lui, je ne veux pas que mes filles aient des maris bizarres. Là. Je veux que mes filles aient des maris comme le mien. Alléluia. Les bons maris. Pas les maris méchants, durs, bizarres. Là. Dictateurs. Non, non. Nous sommes là à cette époque-là. Alléluia. À lui, la Bible dit que le charme de l'homme, c'est sa bonté. C'est-à-dire son cœur. Bon. Pas son cœur méchant qu'on abat. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu attends, bien-aimé. Attends-le avec foi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la prière de la foi est cette certitude que tu reçois. Également, donne ton esprit de prier d'une autre manière. Amen. 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 Est-ce qu'on m'a saisi là? Amen. Je dis la prière de la foi est une certitude, est cette certitude que tu reçois dans ton esprit de prier d'une autre manière. Amen. D'une autre manière. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut être une déclaration. Cette prière peut prendre la forme d'une déclaration. Amen. Alléluia. Amen. C'est une prière de foi. C'est une prière de foi. De foi. Alléluia. Amen. Nous allons le voir dans toujours dans Jacques 5, le verset 15. Jacques 5, le verset 15. Jacques 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Pardon, lis le verset 17. Au verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Amen. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne prie point. Alléluia. Amen. Et il ne prie point sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, alléluia. Amen. Nous voyons ce qui s'est passé. Cette histoire, aller chercher, c'est dans un roi. Alléluia. Amen. Je vois un roi 18 dans l'Ancien Testament. Parce que le peuple avait abandonné Dieu. Parce que le peuple s'était livré à l'idolâtrie. L'homme de Dieu de l'époque s'est levé. Et il a déclaré qu'il ne devait pas pleuvoir. Alléluia. Amen. Pendant 3 ans et 6 mois. Il a dit qu'il ne pleuvra pas si ce n'est à ma parole. Si ce n'est à sa parole. Et Dieu a fait quoi? Dieu a écouté. Et Dieu a honoré la parole, la prière de foi de l'homme de Dieu Élie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a honoré la prière de foi de son serviteur parce que son serviteur marchait dans la crainte parce que son serviteur était consacré à lui. Amen. Ce n'est pas une seule partie qui était consacrée à lui. C'est tout son être entier. Amen. Qui était consacré à lui, à son Dieu. Alléluia. Amen.
se met à faire des déclarations de foi, des prières de foi, à cette dimension, à ce niveau-là, c'était au niveau national, c'était au niveau de la nation. C'est toute la nation entière qui s'était livrée avec le roi à l'idolâtrie. Et tellement ça faisait mal au cœur de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, non, non, non. Non, non, non. Quelle est la punition qu'on doit d'abord faire subir à cette nation? Dieu, mon père, retire la pluie. Alléluia. Amen. Et Dieu a retiré la pluie. Dieu a écouté la prière de foi de son serviteur. L'homme de Dieu n'a pas fait cette prière à la légère. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait cette prière à la légère. Il était en connexion avec son Dieu. Amen. Parce que s'il avait fait cette prière à la légère, rien ne se serait passé. Amen. Bien-aimé, les prières de foi, ce ne sont pas des prières que nous faisons à la légère. Que nous devons faire à la légère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous ne pouvons pas les faire à la légère. Amen. Sinon toi-même tu seras ridicule. Yes. Alléluia. Amen, amen. Oui, bien aimé, la prière de foi est souvent une prière pleine d'audace. Yes. Pleine d'audace, mais la bonne audace. Amen. La bonne audace. L'audace qui cherche à glorifier Dieu. L'audace qui cherche à manifester les œuvres de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a fait cette prière, ce n'était pas pour s'attirer une gloire. Amen, 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 amen. Ce n'était pas pour s'attirer une gloire. Amen. Alléluia. Il voulait que le peuple revienne à Dieu. Amen. Il voulait que le peuple amen. Revienne à Dieu. Et Dieu ne pouvait qu'entendre et donner un saut. Alléluia. Amen. À cette prière de foi. Si tu veux que Dieu donne un saut à tes prières de foi. Amen. Alléluia. Amen. Sois entier à lui. Sois entier à lui. Ton cœur entier. Ton nom entier. Pour lui. Quand il t'utilise là. Ne commence pas à faire le. Les épaules qui sont maintenant là. Alléluia. Amen. Non. Quand tu sens une petite frayeur, là, ne monte pas. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça notre problème. Dieu veut nous utiliser à cette dimension. Alléluia. Amen. Il va nous utiliser. Il va nous utiliser. Amen. Il peut t'utiliser dans ta famille. Alléluia. Amen. Il peut t'utiliser dans ta famille. Consacre-toi, donne-toi entièrement à lui. Amen. Donne-toi entièrement. Consacre-toi totalement à lui. Et il va t'utiliser lorsque tu vas déclarer, lorsque tu vas faire des prières de foi Amen. Dans ta famille. Oh bien-aimé, on connaîtra que le Dieu de Carmel est le véritable Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On soit. On le saura. Parce qu'à la fin, alléluia, amen. Le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui était le véritable Dieu. Amen. Le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui était le véritable Dieu. Amen. Le Dieu des Baals n'était pas le véritable. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Nous pouvons aussi aller dans. Je ne vois même pas très bien. Même Paul également. Alléluia. Amen. Acte 13. Acte 13. Oui, mon lecteur. Acte 13, verset 6 à 12. 13, verset 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul
Sergius, Paulus, homme intelligent. Ces derniers furent appelés Barnabas et Saul. Ils manifestèrent le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le professeur, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia! Amen. Amen. Paul également faisait ce genre de prière. Des prières de foi. Avec audace. Alléluia! Amen. Et c'est ce que les versets, les différents versets que nous avons lus nous disent. Alléluia. Amen. Je vais relire quelque part. Alors Saul, le verset 9, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Homme plein de toute espèce de ruse et de faute. Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, alléluia, amen, étant frappé par la doctrine, amen, du, amen, Seigneur. Oui, bien aimé, Paul aussi a fait cette sorte de prière, cette prière de foi avec audace. Mais là, c'était également une prière punition. Prière punition, prière de jugement. Alléluia. Amen. Ce n'était pas pour le tuer. Il a dit pour un temps. Il a différé que c'était un fils du diable. Et qu'il voulait détourner le proconsul de la foi. Il ne voulait pas que le proconsul se donne au Seigneur. Parce qu'il voulait garder sa magie. Il voulait garder son succès. Alléluia. Amen. Paul a dit Seigneur cela et il a déclaré. Alléluia. Amen. Il n'a pas supplié. Il n'a pas dit Seigneur. Oh, regarde l'homme là où il veut me. Il veut empêcher cette âme d'être sauvée. Oh Seigneur. Ah, pitié, Seigneur. Non. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous amène aussi à faire ce genre de prière. Amen. Amen. Yes. Le Seigneur nous amène aussi à faire ce genre de prière. Amen. Donc ce n'est pas une question de vengeance. Que oh, les chrétiens sont maintenant devenus. Ils font du mal aux gens. Non. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas ça. Paul a dit, pendant un temps tu seras aveugle. Et il est devenu aveugle. Je ne sais même pas si avec ce miracle-là, s'il s'est converti réellement. Je ne sais pas. Parce qu'avec un tel miracle, tu dois te convertir et abandonner ta magie. Alléluia. Amen. Et reconnaît qu'il y a une puissance plus grande que la tienne. Amen. Pierre, Paul, autant pour moi, faisait des prières de foi. Et pour faire également les prières ou les déclarations, ce genre de déclaration de foi, il faut être rempli du Saint-Esprit. Amen. On nous dit que Pierre, Paul, autant pour moi, était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc au moment même, le Saint-Esprit l'a rempli et le Saint-Esprit l'a poussé. Alléluia. Amen.
Amen. Les prières de foi, ce sont les prières que le Saint-Esprit nous pousse à faire. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous pousse à faire. Donc, ne ferme pas ta bouche. Amen. Quand tu sens le Saint-Esprit te pousser, Amen. Ne bloque pas ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu ne vas pas expérimenter la grandeur de Dieu. Amen. Tu n'as pas expérimenté la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu n'est pas seulement faite pour certaines personnes. Amen. Toi aussi, tu peux l'expérimenter. Toi aussi, tu peux faire voir des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux voir Dieu faire des grandes choses. Dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton quartier. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin? On voit quoi? Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, parce que le proconsul était maintenant dans la confusion. Alléluia. Amen. Il était dans la confusion. Laquelle était la vraie puissance? Alléluia. Amen. Et, vous voyez, et nous voyons que, qu'est-ce que le proconsul a fait? Il s'est converti. Il a été frappé par la doctrine du Seigneur. Et par rapport à ce miracle que le Seigneur venait d'opérer. Alléluia. Amen. Et son cœur s'est ouvert au Seigneur. Les prières de foi. Les prières de foi. Église, rentre aussi dans cette dimension. Rentre aussi dans ce niveau. Alléluia. Amen. Dans la prière de foi, il y a aussi la notion de la persévérance. Alléluia. Amen. Il y a la dimension où le Seigneur veut que tu persévères également. Même si tu ne vois pas la chose, mais tu dois persévérer. Amen. C'est ce que nous voyons dans Jacques 5, au verset 17. Élie pria, il pria avec instance. Il pria avec instance. Et lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, lorsque nous voyons comment le spectacle s'est passé, alléluia, Amen. À chaque fois, lorsqu'il a prié une fois, alléluia, il a envoyé son serviteur. Va regarder. Alléluia. Amen. Le serviteur n'a rien vu. Il est revenu vers son maître. Je ne vois rien. Il a continué de prier. Élie. Alléluia. Amen. Élie, le grand homme de Dieu qui a fait descendre le feu du ciel. Il a continué. Il a envoyé son serviteur la deuxième fois. Amen. Il avait regardé. Alléluia. Amen. Quand le serviteur est venu, je vois une petite main. Alléluia. Amen. Donc il y a eu progression. Il y a eu progression Amen. Dans le miracle. Il y a eu progression. Il y a eu étape par étape. Amen. Et pendant ce temps, l'homme de Dieu ne se décourageait pas. Amen. Alléluia. Amen. Il mettait toujours sa foi. Il mettait toujours sa foi. Et la Bible nous dit qu'il a persévéré combien de fois? 7 fois. Amen. 7 fois. C'est au bout de la 7e fois que, alléluia, Amen. Le temps s'est assombri. Alléluia. Amen. Donc, la prière de la foi, c'est également la persévérance. C'est pas parce que tu as prié une seule fois, alléluia, Amen. Que tu vas appeler cela prière de la foi. Amen. Non, 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 non. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier, tu vas continuer, mais pas dans l'incrédulité. Alléluia. Amen. Pas dans le doute. Avec la foi, tu continues jusqu'à ce que tu vas voir. Et pendant Amen. Que tu continues là, le Seigneur va te donner des stratégies. Comment maintenant prier? Alléluia. La deuxième fois. Comment Amen. Maintenant prier? La Amen. Troisième fois. Comment maintenant prier? La quatrième Amen. Fois. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te donner des stratégies jusqu'à ce que tu verras la chose. Alléluia. Amen. Donc la prière de la foi, c'est également la persévérance. La persévérance. La prière de la foi là, quand on dit que Élie pria également avec instance. Alléluia. Amen. Instance là, lorsque j'ai cherché. En fait, Élie forçait la main de Dieu d'agir. Amen. Seigneur, tu dois agir. Amen. Alléluia. Amen. Dans ton prière. Seigneur, tu dois agir. Je t'appartiens. Il n'est pas normal que je vive ceci, que je vive cela. Alléluia. Amen. Il n'est pas normal que mes enfants se perdent. Amen. Seigneur, tu vas sauver
main de Dieu. Seigneur, tu dois agir. Quand tu me vois là, Seigneur, je ne te vois pas. Voilà ici, ceci, cela. Voilà, voilà, voilà. Ma vie est en règle. Seigneur, tu dois agir. Tu dois agir. Alléluia. Amen. Tu dois agir. Le Seigneur a agi. C'est ça. Priez avec instance. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. Amen. Acte 3 également, le verset 2 à 8, Pierre et Jean aussi l'ont expérimenté. Acte 3, 2 à 8, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la bête, pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Amen. Yes, c'est ça que la prière de la foi fait. Alléluia. Amen. Pierre et Jean ont fait marcher cet homme-là, ce paralytique-là, de naissance-là. Il n'avait pas la foi. Non. Alléluia. C'est la prière de la foi de Pierre et Jean. Amen. Alléluia. Amen. C'est la prière de la foi de Pierre et Jean. Amen. À les différentes étapes. Parce que lui, il s'attendait à l'argent. Amen. À le monde qu'il avait l'habitude de recevoir. Alléluia. Amen. Mais Pierre et Jean lui ont apporté plus que l'argent. Amen. Ils lui ont apporté plus que l'argent. Amen. Ils ont mélangé la foi à leur prière. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, ils ont tendu la main. Amen. Pour l'aider à marcher. Alléluia. Amen. Tu vois ce que la prière de foi peut faire. Amen. Le Seigneur va te dire, va à l'hôpital. Alléluia. Amen. Va prier pour les malades. Amen. Alléluia. Amen. Prie pour eux. Prie pour eux. Et crois qu'ils peuvent guérir. Amen. Crois que je peux guérir certains d'entre eux. Alléluia. Amen. Ce que je veux qu'ils guérissent, je vais. Alléluia. Amen. L'Église, nous avons tellement de choses à faire. Nous avons tellement de choses à faire. L'œuvre de Dieu est grande. La moisson est grande. Amen. La moisson est grande. Yeah. Et Dieu veut que nous utilisions la prière de la foi. La prière de la foi. Église adresse à Dieu des prières de foi. Amen. Pour guérir les malades. Amen. Église adresse à Dieu la prière de foi pour guérir les malades. Mm. Pour délivrer les possédés. Mm. Pour libérer les vies captives. Mm. Alléluia. Amen. Église adresse à Dieu la prière de la foi. Comme l'église de Jérusalem, dans Acte 4, nous allons le lire. Dans Acte 4, le verset 29 à 30. Acte 4, verset 29 à 30. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Yes. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est la prière que l'église de Jérusalem a faite. Alléluia. Amen. Et c'est cette prière également que nous devons faire. Alléluia. Amen. C'est la prière par la foi. C'est la prière par la foi. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Mais permets à l'église de faire ceci, de faire cela, de faire ceci, de continuer à faire ton œuvre. Alléluia. Amen. Et le Seigneur ne pouvait que continuer à faire de grandes choses avec l'église de Jérusalem. Et il veut continuer de faire des grandes choses avec nous. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, la prière de la foi obtient toujours la bénédiction recherchée. La prière de la foi obtient toujours la bénédiction recherchée.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fini. Amen. 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 Nous avons pris besoin de te lever. Tu peux te lever. Amen. Nous pouvons rentrer dans cette dimension-là. La moisson est grande. La moisson est grande. Et Dieu veut utiliser puissamment son Église. Amen. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Alléluia. Amen. Mais en puissance et en démonstration. Et c'est la prière de la foi qui nous permettra de nager. Alléluia. Amen. Dans la dimension du surnaturel. C'est la prière de la foi, Église. Élève ta voix et dis, Seigneur, je veux cette foi forte. Je veux cette foi qui monte. Je veux cette foi qui se développe. Je veux cette foi-là. Afin que lorsque je vais prier, je ne sois pas celui qui ne croit pas à sa prière. Je ne prie pas pour la forme. Adonai, la station s'incarnissable. Nous nous sommes abreuvés ce matin. Seigneur, nous sommes venus ce matin recevoir ce qui vient de toi. Nous voulons Dieu maintenant